Photo Miss France 2023, Indira Ampio-Ose un look monochrome ultra sensuel et vraiment de saison. Indira Ampio semble être une adepte des looks colorés. Le 17 décembre dernier, la jeune Guadeloupéenne de 18 ans a été élue Miss France 2023 à Châteauroux. Désormais, une nouvelle aventure exceptionnelle s'ouvre à elle. Et ça commence sur les chapeaux de roue. Indira Ampio multiplie les apparitions publiques et les interviews. L'une des dernières en date est l'enregistrement de l'émission Vivement Dimanche avec Michel Drucker au studio Gabriel à Paris. Diffusée le 8 janvier 2023 sur France 3. À cette occasion, la Miss France s'est présentée dans un look monochrome acidulé. On est fan. Indira Ampio a été photographiée à son arrivée au studio d'enregistrement de l'émission dans un total look rouge vif. Du manteau à l'écharpe, en passant par les talons, la Miss France 2023 a choisi des pièces mode exactement de la même couleur. Sous son long manteau arrivant à mi-genou, la reine de beauté a adopté un col roulé basique et un pantalon taille haute fluide. Côté accessoires, Indira Ampio a enfilé une paire de talons avec un détail argenté sur le devant. Et en période de froid, une écharpe est toujours bienvenue autour du cou. Le rouge est souvent assimilé au danger et à l'excitation, mais c'est également la couleur de la sensualité. Des recherches montrent même qu'une personne habillée de rouge serait perçue comme davantage attrayante par rapport à une tenue d'une autre couleur. À savoir qu'universellement, c'est sans doute la couleur qui capte le plus l'attention. Ce choix de couleur invite à l'engagement, évoque chaleur, énergie et dynamisme. Bref, vous l'avez compris, le rouge est une couleur qui tape dans l'œil. Le look monochrome d'Indira Ampio n'est pas du tout passé inaperçu. Et il faut l'avouer. Cette couleur match parfaitement avec son teint. Et si le rouge est aussi la couleur la plus festive? Ce n'est pas Mariah Carey, reine du Noël, qui dira le contraire.